Merci, c'est quand j'ai ensemble avec vous, situation obligée, n'a pas comme ça. Nous avons deuxième partie. Deuxième partie, les murs de la honte. Nous dit pas mur ou bien construction mur de Berlin sur 55 km. 55 km, il détruit en 1900, il détruit 9 novembre 1989. Nous avons la Hongrie de Victor Orban qui pral construit mur par là sur 72 km, 72 km de long, pour stopper la venue des migrants qui a passé ce territoire-là, des Afghans, des Syriens et des Irakiens. Ni Irakiens, yo, migrants sortis dans le pays, yo, ni pas voulu passer là. Victor Orban construit Milan, libre-aller, il construit Milan avec des barbelés de haut, de 4 mètres de hauteur, avec des barbelés pour migrants, ça n'a pas passé. La Hongrie de Victor Orban, qui a commencé en 2015, c'est commencé en août 2015, 15 août 2015, et le 29 août 2015, yon parti nan miyan fini, parti terrestre là, et pour lui avancer encore plus. Aujourd'hui, en 2020, la construction est définitivement nette, malgré le monde a critiqué Victor Orban, bloqué tout migrant qui a sorti. Tout migrant qui a sorti dans le pays Gengerio, en Irak, tout migrant qui a sorti en Afghanistan, tout migrant qui a sorti la Syrie. De la même manière, la Pologne pral faire même bagaille là. Milan pral Milan pral étendre sur 100 km, Milan pral étendre sur 100 km qui pral coûter 353 millions de dollars. Ça le dit avec contribuable ou bien taxe population hein? 353 millions de dollars population ordonné pour être capable bloquer la venue des migrants qui a sorti encore en Irak, encore en Syrie et encore au Yémen. Encore au Yémen. Parce que vous connaissez, la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite, il a pilonné les rebelles yéménites, l'autre bord. Les rebelles outils yéménites. Il a pilonné à cause de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite. Et les murs de la honte, deuxième partie. Nous avons les États-Unis aussi, vous connaissez, sur toute longueur et côte là, Donald Trump. Prend un parti dans l'agent de la défense pour lui et puis il dit il a construit Milan pour empêcher mexicains yo pas entrer, mexicains qui c'est dealers de drogue, des assassins, des criminels pour pas capable passer sous frontière pour venir aux États-Unis. Je me dit peut-être qui ça, c'est pas norvégien, finlandais, on voit monde ça pour entrer aux États-Unis. Ça lui dit tout migrant ça qui a passé à Donald Trump décider bloquer avec construction Milan. Et encore plus, il dit la voie facture là, par le président Mexique là, pour être capable de payer. C'est une blague. Maintenant, Donald Trump barricade. Ça lui dit qu'il c'est le père de la construction des murs modernes. Peut-être que ça, parce que le pays là, c'est un pays qui est riche. Premier pays qui est riche économiquement. Ça lui dit plus que lui a barré ça. Il a tout l'autre indice pour le faire. C'est ça fait Saint-Domingue pour le garder sous lui. Luis Abinadel pour le garder sous lui. Pour le faire construction mieux par là avec Haïti. Et c'est sous lui nous pour le chita. Il fait élève. C'est normal. Pas un problème. Ça veut dire les murs de la honte. La Pologne, il pour le construire Milan face à la Biélorussie. La Hongrie pour le construire Milan face à la Serbie. Face à la Serbie, ils pourraient construire Milan pour migrants, pas passer par Serbie, pour être capable d'entrer la Cali. Là, pour l'heure, ils pourraient faire de même, parce que Loukachenko, les ouvre porte là, son bagage diplomatique, les ouvre porte là, pour tout migrant passer, pour l'envahir, ils ont leur bloc, parce que lui-même, il y a un problème de légitimité, et puisque l'Europe a coincé lui, Loukachenko fait ça. Ça veut dire, le monde a barricadé et il y a un aspect diplomatique là-dedans. Loukachenko ouvert porte là pour le capable faire. De la même manière, Mexique ouvert porte là pour tous les migrants qui sont en Amérique latine, et spécialement en Haïti, Venezuela et Honduras, tout pays ça qui a un problème, ils ont ouvert toute porte en Colombie pour être capable d'envahir les États-Unis. Ça lui dit que c'est une diplomatie bien déterminée. Mais c'est ça qui a fait là, et c'est peut-être ça qu'on a décidé de bloquer. Nous sommes des as, ou bien encore la honte, pour des Texas là, côté 190 000 migrants qui là, et à l'heure actuelle, pendant qu'on a parlé là, presque il y a 300 000 migrants qui en route vers les États-Unis, jusqu'à ce qu'ils puissent décider d'aider la Mexique, aider Mexique. Et pour Mexique capable de contourner tout migrant ça qui n'a pas rentré. Les murs de la honte. Les murs de la honte.
c'est ça qui a essayé de faire. Le monde a essayé de barricader, c'est écranger les murs de la honte, deuxième partie. Merci.